What's up les boys, c'est Redjacken, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle match à mort par équipe, toujours sur Call of Duty Black Ops 2, un jeu qui, je pense, me lassera jamais, je continue à y jouer dessus, je prends toujours autant de plaisir, même quand je suis en solo, parce que c'est des gameplays en ce moment que je vous fais, qui sont only solo, donc je compte vous en upload pas mal, vu que c'est les vacances, je sais que j'ai promis d'être beaucoup actif, mais j'ai eu au début de semaine un petit bug d'AverMedia, donc voilà, j'ai dû me racheter un AverMedia. Bref, ça c'est pas grave, passons. Ça n'empêche que aujourd'hui on est plus de 3470 et quelques abonnés, ça me fait super plaisir, on gagne des abonnés tous les jours sur la chaîne monte de plus en plus et ça c'est grâce à vous, comme je le répéterai jamais assez, grâce à chaque personne qui vient regarder mes vidéos, qui vient commenter, laisser leur avis, qui vient laisser un pouce bleu, qui vient pourquoi pas la partager dans l'espace commentaire ou la partager sur les réseaux sociaux, ça me fait énormément avancer et ça c'est grâce à vous. Grâce à vous, je pourrais peut-être arriver aux 4000 abonnés d'ici janvier, j'espère, ça me ferait énormément plaisir, ce sera un petit peu mon cadeau de Noël en quelque sorte. Donc c'était tout pour cette introduction qui est de plus en plus longue. Aujourd'hui on va parler d'une petite histoire, une grosse histoire mais qui est assez courte. C'est pour ça que la vidéo va pas durer énormément de temps, surtout qu'en ce moment voilà, j'ai pas excessivement de temps, même si c'est les vacances, je passe pas mal de temps au code de la route, à la salle de sport. Et voilà, j'ai une vie passionnante, je le sais. Bref, on est là aujourd'hui pour raconter une histoire qui m'a choqué. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris par telle et telle personne et dans les journaux qu'un de mes anciens potes que je connaissais au collège est parti à 17 ans faire le djihad en Syrie. Alors là tout de suite, il y a des personnes qui vont me demander, ouais, est-ce que tu peux citer des noms, est-ce que tu peux donner des preuves, etc. Ça a été vu dans un article, je sais plus exactement où, c'était dans les journaux, regardez La Voix du Nord ou des choses comme ça, mais vous voyez 21 jeunes entre 17 et 22 ans qui sont partis au djihad dans un car directement direction l'Afrique et sont partis pour la Syrie, entre guillemets. Bien évidemment, je connaissais cette personne, mais c'était plus une connaissance qu'autre chose, c'était voilà, quelqu'un avec qui je parlais souvent, mais voilà, depuis le collège, j'avais plus de nouvelles de lui, on s'était pas contacté. À cette époque-là, j'avais pas de réseaux sociaux, donc on parlait plus du tout. Mais quand même, quand on cite les noms de telle et telle personne qui sont partis en Syrie, tu dis, ah ouais, bah cette personne-là, je l'ai connue, j'ai rigolé avec, on blaguait à la récréation ensemble, et là, bah j'apprends qu'il est parti en Syrie, qu'il va peut-être un jour venir en France ou dans un autre pays faire des attentats. C'est vrai que ça met quand même un choc. Alors après, je citerai pas de nom pour pas avoir d'ennuis avec la police, etc. Même si je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se douter que, en parlant de ça, ça peut arriver à n'importe qui. Et surtout, faites très attention des personnes avec lesquelles vous traînez. Et si vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, soit avec une situation familiale compliquée, soit avec des problèmes financiers, soit voilà, qu'il a beaucoup de problèmes en France, etc. Et que c'est quelqu'un qui est d'origine, je vais pas citer d'origine parce que j'ai pas envie d'être désigné comme quelqu'un de raciste, mais si vous voyez une personne qui est d'origine arabe, on va pas se le cacher, ou même autre, qui est pas français de base, qui vient d'un autre pays ou qui a sa descendance qui vient d'un autre pays, faut faire très attention que ça parte pas très très loin comme c'est parti avec cette histoire. En tout cas, ça a été un choc quand j'ai appris ça. Je pense que pour beaucoup de personnes ça l'aurait été. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire si vous vous mettez dans ma situation, que vous apprenez qu'un de vos potes ou une de vos connaissances est parti faire le djihad et qui du jour au lendemain peut revenir en France, ou comme je l'ai dit, dans un autre pays faire des attentats. Est-ce que ça vous fera quand même un choc, parce que cette personne vous l'avez connue en étant une bonne personne, vous voyez que cette personne c'était quelqu'un de bien, vous parlez avec lui, donc forcément ça doit être quelqu'un de bien, quelqu'un de respectueux, et au final vous apprenez qu'il est parti faire le djihad et qu'il va certainement faire du malheur autour de lui là où il est parti. En tout cas, c'était une vidéo importante pour moi, je compte sur vous pour laisser un gros pouce bleu. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas dépassé les 150 pouces bleus sur ma chaîne. Ça me ferait super plaisir que pour cette vidéo, franchement, chacune de ces personnes qui vont regarder cette vidéo mettent un pouce bleu tout simplement. Ça me ferait énormément plaisir. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous dis encore une fois à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.